Salut à tous, aujourd'hui je vais vous faire le What in my bag. Juste enlever ça. Okay. Mon sac se présente comme ceci. Je l'ai acheté aujourd'hui. On est quoi là? Le mardi 14 juin. Mais je vous promets, j'ai rien enlevé de ce qu'il y avait dans mes autres sacoches. J'ai juste rassemblé tous les trucs d'une sacoche, de deux sacoches dans ça. Fait que pour commencer, ben, il y a mon portefeuille. Il vient de Chardin. Je vous montrerai pas tout ce qu'il y a dedans. Je veux juste vous montrer des spectacles où est-ce qu'on est allé, moi et mon chum. Premièrement, on est allé à l'Impact. Ouais, je sais, le truc il est chier, mais bon. Ça fait longtemps que je l'ai. Je suis allée à la LNI de la QTC. Des traumatiques reniers, mais c'était l'équipe de la LNI qui ont fait ça. Je suis allée avec mon père. C'est pas important les factures. Puis après ça, je suis allée voir Corias, mais j'ai pas les billets parce que c'était gratuit. Je suis allée voir Marc Dupré, Marie-Mé, Louis-Jean Cormier, Éric Lapointe. Il n'y avait pas de billet, encore une fois. Je suis allée voir Justin Bieber à son dernier spectacle avec mon ami. Ça, c'est encore les bails de Justin Bieber. Je suis allée voir Maroon 5 l'année passée avec mon chum. Puis c'est ça. Okay. Je voulais juste vous montrer que j'avais été voir des spectacles. Puis c'est ça. Fait que là, mon portefeuille il va chier. Il y a tellement d'affaires dedans. C'est pas d'arrivée. Il faudrait que je fasse le ménage. Bon, quand on ouvre, on a un EOS. Le rouge à lèvres. Ben, le lipstick. Ensuite, j'ai mes clés. Bien sûr. Une paire d'écouteurs. Je pensais que j'en avais deux. J'en ai juste une. Mon iPad. Dites bonjour à mon iPad, photo de mon chum. Après ça, dans la pochette, il y a mon iPhone. Un iPhone 4S. Si t'as un problème avec ça, je t'invite à partir. Des bookies, parce que j'aime ça. What the fuck? Mon iPad est bizarre. Mon iPod. Dans cette pochette-là, on a... Ah, c'est la pochette maquillage. Bon, ben, on a des pinceaux que sa grand-maman m'a donné. Une beauty blender. Une palette que ma grand-mère m'a achetée. Une palette que j'ai commandée sur Internet. De contouring et tout. Mais c'est juste pour cacher mes affaires. Perfection, genre quand j'ai des boutons. Ah, il y a d'autres choses. Ok. Un cache-chambre presque vide. Un idéal bébé crème. Un crayon pour les yeux. Un mascara voluminous manga. Et un eyeliner. Mais d'habitude, j'ai le unique. Mais c'est juste que je l'ai pas mis dedans. Ça me tentait pas. Juste tout remettre ça là-dedans. Ton chat? Ouais. Tu vas-tu faire ton vidéo? Bon, mon chum est en train de faire son sac parce qu'il a envie de vous montrer ce qu'il met dans son sac. Ok, on va le laisser parler. Après moi, bien sûr. C'est moi qui montre ce qu'il y a dans mon sac. Le qui ça en dessous. Non, pas là. Je vais les mettre dans une autre place. Fait que c'est ça. Je suis en train de remettre les trucs dans mon sac. Parce que c'est ça, c'est la vie. Shit. Ok, je vais devoir regarder ça, moi. Bon, là-dedans, il y a des tampons. Pas besoin de vous les montrer. Il y a une clé USB 32G que j'ai jamais utilisée, mais ça peut toujours servir. Il y a une lampe de poche clé USB. Si jamais on se promène le soir. Un chargeur pour mon iPhone. Mais c'est parce que j'avais aussi une batterie externe, mais je l'ai perdu à l'hôpital.
Ok, je l'ai plus. Fait que j'en ai commandé une autre, puis je l'attends. Qu'est-ce que tu fais? Coche? Intéressante la vie. Quoi? Je cherche un chandail. Ah, ok, il cherche un chandail. Intéressant. Ma bretelle est détachée tout à l'heure. Après ça, ici, il y a le DS. Qui a passé à être vide. Il y a comme plus de batterie. Genre vraiment plus. Puis le jeu qu'il y a dedans, c'est Pokémon Saphir. Saphir ou Saphir Alpha ou Alpha Omega ou Omega Alpha ou Omega Saphir. Qu'est-ce que tu fais? Ben viens, il y en a ici. Il y en a ici. Il est comme ça, c'est un, DS, c'est un 3DS. Après ça, on a mon épipène, très important, parce que j'ai un épipène dans la vie. Puis c'est ça. On a cette petite pochette-là, je me souviens tellement plus que dedans, ben, allons checker. Ah, des bouchons pour les oreilles parce que j'ai tendance à faire des otites. Des lingettes, ce sont ça. Des lingettes, ça c'est genre comme tu mets de l'eau dessus puis ça effervesse, là. C'est genre ça. De l'or à gel. Un pic dentaire. Une brosse à dents. Attends, ce sera pas long. Une pince à épiler. Cool ta vie. Des élastiques. Coucou tout le monde. Ok, tasse-toi, j'en parle. Ça vient de chez Lush. Attendez, je vais pas l'ouvrir comme une merde. Ok, oui. Moi, tu me fais du twerk en arrière. C'est ça, là. C'est genre des pastilles que tu croques. Puis ça fait comme effervescence pour te brosser les dents. Des pâtes. Parce que, tu sais, j'ai des broches. Des menthes. Parce qu'avec des broches, des fois, on peut plus être de la gueule. Une autre brosse à dents, de la pâte à dents. Des élastiques encore. Qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est ça. Je vais juste mettre ça là-dedans. Dégage. Ok. Ça va bien. On va essayer de faire là. Fait que c'est cela. C'est un petit peu ce qu'il y avait dans mon sac. En temps normal, j'ai une batterie externe, un chargeur d'iPhone aussi, de iPod, excusez. Puis un plus petit portefeuille, mais j'ai aussi de perdu. Ok. Saluer l'intelligence de la fille qui perd toutes ces choses. Tu une brosse pour les cheveux? Non, sont corrects tes cheveux. Sont corrects tes cheveux. Fait que c'est ça. Puis là, je vais juste enlever mon maquillage parce que bon. J'en ai besoin aussi à la maison. Fait que je l'enlève dès là. Puis je vais juste mettre. Puis là. Ben, dans le fond, genre, mon maquillage, je l'enlève à chaque jour. De mes... Dans mon sac. Parce que j'en ai besoin, fait que je l'enlève. Puis je le remets quand j'en ai besoin en dehors de la maison. Ça. Arc. Mes lunettes viennent de traîner dans la piste de lapin. Cool. C'est ça, les cookies. Très important, mes cookies. Il y a quoi de cookies là? Ça. Bon ben, vous allez assister en même temps à moi qui range mon sac. Chose qui arrive jamais. Bon, la raison pour laquelle j'ai changé de sacoche, c'est qu'à un moment donné, mon chum était malade, puis ben, il a vomi dedans. Ben, je sais, c'est bizarre, il a vomi dans ma sacoche. Qu'est-ce que vous voulez jeter? Mais ça fait mieux de la nuit. Puis il était vraiment malade, il avait la gastro, mais il a pas vomi dedans, il a vomi dessus, puis j'avais trop la flemme de le laver, fait que je suis fait. Tu traînais par terre. J'ai changé de sacoche! De toute façon, j'étais tanné de ma sacoche, fait que ça m'a donné un bon service. Mon iPod, il va aller là. Mon iPhone, il va aller là. Est-ce que voilà. Non, ça marche. Plus ou moins, mais ça marche. Mes tampons, ils vont aller là. Cool, je parle de tampons. Attention, pipi caca poil. Ok. This guy.
avec. Mon portefeuille. Il va aller là. Bon, je vais enlever ça. Comme ça. Mais bon, comme quand j'ai vidé ma sacoche, c'est sûr qu'il y a des trucs que j'ai jetés, genre des papiers de bonbons ou des trucs comme ça. Ça vous intéresse pas de savoir que c'est là-dedans. Mais tous les trucs utiles que j'ai vus, je les ai mis. Ou tous les trucs qu'il y avait dans ma sacoche, en fait, je les ai mis là, parce que c'est la vie. J'ai pas tout enlevé. Ah, oh, ok, il y a quelque chose là-dedans. Puis mon iPad, c'est rare, je les mets dedans, si je sais. Quand ça me tente. Il y a encore un peu de place à l'intérieur. Je vais mettre ça. 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 Puis ça. Ok. Voilà. Ok, je vous remonte mon sac une dernière fois. C'est ça. C'est de la marque Christian Cyrano. Ok, celle du Christian Cyrano, j'ai acheté une sacoche à ta marque. À mon tour. Alors, ce sera pas long. Juste acheter mes trucs, mon iPad va aller là. Tu sais que c'est trop mignon ce que la grand-mère à mon chum m'a donné. Excusez, mes bras, elle descend tout le temps. C'est trop mignon. C'est genre des mini pinceaux. C'est genre trop cute. Genre trop de cuteness en eux. Ça m'a sûr. Puis dans la palette. Un peu. Okay. Dans la palette, il y a un correcteur highlighter. C'est pour cacher. Contouring pour les noirs, ça je pense. Sauf que j'utilise celle-là, mais je l'estompe beaucoup. D'habitude, j'utilise les autres. Comme vous pouvez voir. C'est genre, quand j'ai reçu cette palette-là, je voulais jamais l'utiliser. J'étais comme, elle est trop belle. Finalement, je l'ai commandé pour rien. Mais non, finalement, j'ai commencé à l'utiliser parce que dans la vie, je fais des allergies aux lèvres. Genre, mes lèvres deviennent tellement enflées. Fait que. Il faut que je les cache des fois parce que sinon, les gens pensent que j'ai fait le Kylie Jenner Challenge. Fait que c'est ça qui est pour mon sac. Fait que là, mon chum va venir vous parler parce qu'il va absolument vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans son sac. Fait que dites bonjour à mon chum. Bonjour la compagnie! Ben, moi, à chaque fois que je sors, soit promener mes chiens ou prendre un café ou au restaurant. Dans mon sac à Adidas, vous allez comprendre pourquoi. Parce que moi j'ai horreur de mettre des trucs dans mes poches, ok? J'ai mon portefeuille, mais mon portefeuille il était pas dedans, il est dans mes pantalons. Mon sel. Pour un carachage, je prends pour l'écran. Des médicaments si jamais, des médocs si jamais je suis stressé, c'est des activants. Sinon, genre, mettons, genre, je mange quelque chose au restaurant puis je pue de la gueule, j'ai de la pâte à dents. Ah, devant les médocs. La pâte à dents avec une brosse à dents. Tiens, je pue la gueule. Puis j'ai aussi, comme si je prenais mes chiens et ils font un tas, j'ai des sacs à caca pour chiens avec une odeur. Ça sent le propre, ça. Puis aussi, il y a pas d'autre. Il y a ça pour tenir mon sac qui s'en va. C'est le mien! J'ai pas trouvé le mien. Puis ben, il y a ça quoi d'autre. Puis c'est pas mal ça. Puis mon portefeuille là. Les trucs essentiels. Non, pas ça. Je vais te dire quelque chose. Ah. J'ai aussi un crayon si jamais j'ai besoin d'écrire de quoi comme signer ou quelque chose de même. Il n'y en a pas un. Il y en a 14 000. Si jamais j'ai besoin d'écrire de quoi, prendre des notes. Et c'est ça, je vous montre mon sac. Ah, puis d'abord, il a écrit je t'aime dessus avec un crayon permanent. Non. Quoi ça? C'est ça? Bah oui. C'est ton écriture. Non, tu sais, c'est l'écriture de Mangin. Mm. Et là. Un sac à dents, il est vieux là, mais. Fait la job, ça. Comme. C'est comme ça là. Ah, je l'entraîne tout le temps avec moi. Ma sacoche. Dégage le bonhomme. Puis c'est ça. Ou sinon, quand j'ai juste besoin de traîner un truc, genre. J'ai une autre sacoche, une petite. Je mets juste comme. Je mets mon portefeuille, je mets juste ce qui était censé être dedans.
Puis mon iPod, mon iPhone, puis c'est plus deux. Ouais, c'est ça. Genre, on va passer au travers en une soirée. Non, c'est mi-pouki. Achète un cigare. C'est mi-chouki. T'as un cigare, on dirait les cigares que j'avais acheté à mes 18 ans. Mais toi, t'as pas voulu fumer. Non. T'en veux plus le pouki. Non. Bon, fait que c'est ça. Fait que... on vous dit bonne soirée. Bonne soirée tout le monde! Gros bisous! Aimez votre vie. Aimez votre vie. Mangez la vie avant qu'elle vous mange. C'est mon dicton. Suivez vos rêves. Suivez vos rêves. Avant que les pédophiles du coin ne vous atteignent. C'est ça, ça fait que la vie est courte. Il faut toujours suivre ses rêves parce que la vie est courte. Mon salier est Mathieu le philosophe. Ouais. Fait que sur ce, on vous souhaite bonne soirée. Amusez-vous, puis on se revoit bientôt. Bye bye!